Yeah. Oh, attends, il y a un youtubeur, j'aime trop. Mark Rober. Ces types ont fracturé. Les gars, est-ce que vous connaissez ou pas ce youtubeur ou pas les vidéos qu'il fait? En gros, c'est un mec qui travaillait à la NASA. Et après, il s'est transformé en youtubeur. Et du coup, là, c'est un des plus gros youtubeurs du monde. Et il a une série de vidéos où, en fait, il met des, par exemple, des objets de valeur dans des cartons, par exemple, de PS5 dans des voitures. Et il met un dispositif en gros dedans. Donc quand les mecs ils cassent la vitre et ils volent, après quand il y a des caméras dessus et quand chez eux il y a le truc qui fait v'là les bruits, il met des produits partout dans la maison et du coup les mecs ils se font baiser. Attendez, je vais vous montrer la vidéo, on va regarder ensemble. Ma voiture à San Francisco pour voler mon sac à dos. Putain, mais même lui du coup il fait des vidéos traduites maintenant? Ah ouais, 16 langues. Mister Beast, mon gars, il a créé quelque chose de mauvais. Ok, bon, on va regarder parfait, on va regarder. Ok, vous allez comprendre de toute façon. Mais ils vont vite découvrir que grâce à des mécanismes de diffusion de paillettes et de proutes, ce n'est pas un sac à dos comme un autre. Quelqu'un s'est fait dessus ou quoi? Cet autre type a lui aussi tenté de fracturer ma voiture. Mais il ne savait pas que ce sont des vitres pare-balles. Ça me fait bien rire. Chaque année, 20 000 voitures subissent des effractions dans la ville de San Francisco. Mais qui est à l'origine de ces méfaits? S'agit-il du crime organisé, de gangs ou de simples individus? Et que deviennent tous les objets qu'ils Les volent? gars, Josplay s'est fait voler ses AirPods Pro Max là. Parce qu'il les a laissés dans sa voiture, ce golemon. Comme quand on avait employé des paillettes pour infiltrer et neutraliser ces arnaqueurs téléphoniques en Inde, j'ai le plaisir de t'annoncer qu'après avoir fait équipe avec un grand journaliste et que notre voiture piège ait été fracturée 25 fois en 8 mois, nous comprenons beaucoup mieux ce qui se passe et avons quelques idées pour stopper tout ça. Cette vidéo vient mettre un point final à la série des bombes à paillettes, cette fois pour de bon. Et je suis content de t'annoncer qu'on a capturé de très belles réactions à cet inoffensif mais immonde petit spray à proutes. Notamment par notre célèbre voisin, Macaulay Culkin. Oh! Si c'est la première C'est vidéo c'est de le que tu peu vois, c'est il y a 5 ans, ces deux types ont volé Il a un paquet vraiment la sur même mon tête que quand bureau. il était Ce gosse, qui m'a frère. inspiré de combiner mes talents d'ingénieur, mon amour pour Noël et pour Kevin McAllister. Ça nous a mené à fabriquer d'autres versions de la bombe à paillettes qui tournoie, pulvérise, flash, colle, cogne ou vole. Mais on est aussi allé jusqu'en Inde, où on a infiltré et fait fermer 5 de ces horribles centres d'appels frauduleux. Mais Marc, me diras-tu, tu avais dit que l'an dernier serait ta dernière bombe à paillettes. Et c'était vrai. Mais j'ai compris cette année que les paillettes et les proutes n'avaient pas vaincu tous les crimes commis dans le monde quand on a fracturé ma propre voiture. Ah. Il me manque une fenêtre, c'est pas cool San Francisco, pas cool. J'ai Il aussi devait pris être grave conscience content, que notre frère. paquet piégé réalisé en dernière minute l'an dernier n'a pas capturé assez d'images pour démasquer les fracasseurs de voitures franciscanais. Alors il y a 10 mois, une toute dernière fois, on a complètement repensé la bombe à paillettes. Sauf que cette fois-ci, on l'a construite spécialement pour les voitures. D'abord, au lieu d'utiliser la force centrifuge pour disperser les paillettes, cette fois ce sera du gaz comprimé à 62 bars. Si on prend une pompe à vélo à CO2 reliée à un tuyau de sortie, qu'on connecte un servomoteur à la valve d'ouverture, qu'on duplique cette configuration et qu'on relie le tout en chargeant cette machine de paillettes biodégradables et de spray à proutes, une fois les servomoteurs déclenchés, Ok, j'ai compris, le prout. CO2 ultra compressé expulsera dans les tuyaux tout ce qui se trouve sur son passage. Voilà, prout, C'est les un gars. circuit imprimé conçu Les gars, j'ai pour lui qui compris, prendra prout. toutes les décisions et communiquera Les avec gars, lui via une ça va... prise En, USB. tout ce que j'ai compris, c'est que ça va envoyer du prout à très haute vitesse. Cellulaire bidirectionnel. On installe un klaxon de voiture pas piqué des verres, puis on peut placer ce dispositif compact dans un sac à dos customisé avec des trous pour les canules de propulsion. Comme les années passées, on filmera l'action grâce à deux téléphones qui nous permettront aussi de suivre le sac à dos par GPS, ainsi que des haut-parleurs pour égrener le compte à rebours. Une fois les sacs à dos volés, ils se déplaceront dans toute la ville. Et comme on n'a aucune garantie de les retrouver, on a recontacté mes amis chez T-Mobile pour s'assurer de récupérer les images dans le cloud grâce à la super couverture et la vitesse de leur réseau que j'ai pu tester moi-même par le passé. Enfin, on a scellé le compartiment du dessous pour empêcher toute altération, puis on a collé un écusson pour dissimuler les prises. Et en guise de diversion, on a placé des vêtements et des ordis portables en panne dans chacun des sacs. On a aussi créé une version valise équipée à l'identique. Ouais, non le mais. Truc des sacs à Non dos mais moi je vois ça, j'en dirais une bombe le truc. Vous serez éventé. La voiture dispose également de 8 caméras cachées, alimentées par une batterie de 2000 watts,
branchés au sac à dos via deux câbles. L'un permet aux appareils et aux deux téléphones de rester chargés jusqu'au vol, et l'autre sert à indiquer au sac à dos le moment précis du larcin pour mettre en branle le protocole. Putain, mais il est trop fort, frère. On a aussi prévu deux autres surprises. D'abord, une voiture à pas, avec des vitres incassables en polycarbonate, la même matière que les vitres pare-balles. Cette voiture dispose aussi d'un micro dans le coffre pour détecter une tentative de fraction. Bon, Kai, tu reviens dans 10 minutes, hein. De l'air sera libéré de ce réservoir qui actionnera un piston pneumatique avec à la clé une petite surprise. Dernière idée, on a pris un PC de gaming dont on a ôté le deuxième ventilateur qu'on a remplacé par un tracker GPS qui sera chargé par la batterie du portable. On saura donc toujours où il est, même s'ils effacent le disque dur. Le portable sera placé dans un sac à dos. Ouais, ça finit jamais, frère. Pas de paillettes. Il a 25 trucs au cas où ça marche pas, alors. Noise, qui a été chef de l'équipe investigation d'ABC7 San Francisco pendant 30 ans, on suivra l'ordi à la trace pour tenter d'obtenir des réponses. Après quelques mois de conception, tests et fabrication, on a placé nos pièges dans plusieurs voitures et on a attendu. L'attente n'a pas été bien longue. Et avant de te montrer... Wesh, c'est un professionnel, lui. Je vais déjà en briser un petit peu moi-même. Avec sa fausse ceinture off-white là. 2, 1. Joli tir, Héloïse. Je suis Mark Rover et depuis plus de 10 ans, je crée des vidéos YouTube pour démontrer ce que ça signifie de penser comme un ingénieur. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Prêt? Explosion, let's go! Qu'est-ce que t'en dis? On devrait mettre moins de catalyseurs. Bien vu. Gênant Solar TV. Ça veut dire que l'échec fait partie du processus. C'est comme ça qu'on apprend. Et ce mode de pensée t'aide à devenir meilleur au foot ou à mieux apprendre le piano. Tu apprends la ténacité et à continuer d'essayer jusqu'à la réussite. Ou bien tu découvres une solution complètement différente. Attends, c'est un hashtagable, je comprends pas là. Penser comme un ingénieur, c'est penser différemment. Et tu découvres des manières plus... Ah ouais, ça c'est son studio, les gars. Vous savez que ça c'est son studio ou pas? J'ai créé Crunch Labs. Tu y trouveras un jouet super amusant. Ah, mais là, c'est sa marque en fait. Tous les mois. Tu vas l'adorer, Sarah. On se revoit le mois prochain. Et j'en profiterai pour t'apprendre tous les principes physiques qui le font marcher. Si tu veux entraîner ton cerveau et voir le monde sous un nouvel angle, tout en t'amusant comme un fou... Pourquoi il y a plein d'enfants? Connecte-toi sans tarder. Bah parce que c'est la cible. Et réserve ta box. C'est la cible, les gosses. Ok. Une chose a été claire d'emblée. Si notre objectif était de découvrir qui se cachait derrière ces effractions, celui des voleurs était de ne pas être démasqué. Mais l'avantage de travailler avec un journaliste qui a remporté 18 Emmy Awards, c'est que quand une de nos... Pourquoi ils n'ont jamais de caleçon, les voleurs? Tout près de causer un accident, on peut revoir la vidéo et Dan peut vérifier leur plaque d'immatriculation. C'est certainement pour ça qu'ils ont retiré la leur. Heureusement, lors du troisième vol, notre chance a tourné. Et cette fois, on a dégoté une pépite. Quand Dan a vérifié cette plaque... Mais comment tu peux voler des gens et avoir une vraie plaque? Genre... Quel golemon! Il a fait une découverte surprenante. Cette voiture appartient à un professeur de l'université de San Francisco. Ah, ok, c'est une voiture volée. Conseil d'administration d'une école. Ok, c'est une voiture volée. En bon journaliste d'investigation, Dan a trouvé son adresse et il est allé lui parler. Sauf qu'il s'agit d'un homme très sympa qui s'est fait voler la plaque d'immatriculation de sa voiture il y a quelques semaines. Par ailleurs, Dan a découvert que presque toutes les plaques d'immatriculation rencontrées au cours de notre opération sont non seulement volées. On a des plaques de Géorgie. Logique. Mais quelles leçons sur des voitures identiques à la leur pour éviter de se faire repérer? Logique. Les voleurs pensaient pouvoir contrer nos caméras et nos techniques d'investigation. Mais une question demeure. Comment ont-ils réagi à nos inoffensives petites paillettes? Alerte spoiler, ça ne leur a pas trop plu. C'est un coffre? Non, c'est pas un coffre. On dirait une espèce de bombe et on dirait qu'il y a un tracker. Il parle plus qu'il se passe des choses. Ouais, c'est ça. C'est un tracker. Ouais, regardez, c'est un tracker. 10, bazarde-moi 9, ce truc. 8, j'essaye. 7, bazarde-moi ce truc, 6, andouille. 5, ça y est. 4, 3, 2. Wesh. Son premier réflexe a été d'inspecter le coffre en rabattant le siège pour tenter de voler notre batterie. Ils le font très souvent. Donc laisser ses affaires dans le coffre n'est pas une très bonne idée. Frère, il vole en 30 secondes, même pas. Finalement, il a changé d'avis à propos du sac à dos.
et aussi de notre ordi portable. Les gars, ouais. Le suivant a engendré une de mes réactions préférées. L'un de ces types nous a prouvé que les voleurs ont vraiment un code d'honneur. Celui-ci n'hésite pas à s'accuser après le déclenchement du prout en spray. Je vous laisse la vidéo complète pour que vous découvriez une vue à la première personne de l'activité de ces voleurs de sacs. Lâche-moi un peu. On va à la prochaine, tout droit. Pas encore, à la prochaine. Va au parking. On s'en fiche, on a des plaques de Géorgie. Je nous ai prévu un itinéraire. Ok. J'ai un itinéraire. Si tu parles de ce parking... Ouais, il y en a deux autres. Et c'est là qu'on va. Ouais, on va encore se faire. Mais il le fait sans gants. Dans la même rue. Ouais, je mérite un nouveau sac. Ah ouais, en mode Bonnie and Clyde. Désolé, bébé. Quelqu'un s'est fait dessus ou quoi? Je crois pas, non. Je le sens, moi aussi. Ouais, ça sent bizarre. Sérieux? Mais j'assume, pas de soucis. Ça sent le caca à l'arrière. Ça va, j'assume. Y'a du caca à l'arrière? On s'en fiche, continue, allez. Il va nous faire attraper, c'est pas possible. On va à la suivante. Ah non, attendez. Attends, bébé, attends. Maintenant. Oh! Tais-toi, allez. Bébé. Garde-toi, garde-toi. Garde-toi devant eux. Non, Stang, regarde la portière. Non. Mais en fait, c'est la meuf, elle dirige bon, tout, frère. Ouvre la porte, ouvre. Donne-le-moi, donne-le-moi. C'est bon, je l'ai. Monte à l'avant. À l'avant. Non, reste. Attendez, les gars, je veux voir la différence. Je vais mettre en voix originale. Il y aura des sous-titres. Parce que là, j'avoue, la VF, elle commence à me casser les couilles. Là-bas, ça a tawala l'amr. Limata tarkabina fil khar. Attends, c'est des arabes? Attends, wesh, j'ai mis en arabe. Piste audio anglais. Pourquoi ça met en arabe? Mais. Open your door. No, ah, okay. Tiens, comme de par hasard. Let's go. Don't look. Keep searching. We're going back to the car. Hold on, Nod. Oh, you heard that sound. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. I was surprised to learn that more than half of the steals weren't from thieves traveling in cars. But that still leads them to developing their own strategies. For example, this guy here has already scoped out and wants to... Putain, les sous-titres, ils sont pas bien accordés, le chat. On est obligé de se taper la VF de Golemont. Tant pis, c'est pas grave. Il est bien décidé à le voler. Vous avez qu'à parler en anglais, le chat. Tous ces passants le verraient, à moins qu'ils n'attendent patiemment d'être à l'abri des regards. Ouais, ça vole en trottinette maintenant. Ou bien ce type, qui en plus de porter la veste officielle des ouvriers du bâtiment, a pour technique d'arriver à pied, de ramener son butin jusqu'à sa voiture, et de s'y abriter discrètement pour découvrir le fruit de son larcin. Ça fonctionne certainement très bien 99% du temps. Mais dans ce cas, c'est la pire stratégie au monde. Et c'est Tila. Parce qu'en fin de compte, il finit par abandonner le sac à dos. Et il repart avec nos paillettes et nos parfums de prout. Les gars, il y avait une vidéo où c'était genre une mère de famille, un père de famille, genre qui volait une PS5 pour l'offrir à quelqu'un de sa famille et qui disait « Ouais, je l'ai acheté pour toi. » Et genre, ça avait foutu du truc partout dans la maison, frère. Tous nos voleurs ont un point commun. Ils brisent la glace super vite. Ce qui est étonnamment difficile si on n'a pas la bonne technique. Parce que les vitres de voiture sont faites de verre trempé. C'est d'ailleurs une incroyable invention d'ingénierie. Le verre casse plus difficilement et s'il finit par se briser, il tombe en petits morceaux qui ne coupent pas les gens. Mais le point faible du verre trempé, c'est qu'il est très vulnérable au point de tension très concentré. Si cette vitre résiste facilement à mes balles de foot, de baseball et même à une clé, il me suffit de séparer la céramique isolante d'une bougie de voiture pour que ce morceau saillant d'oxyde d'aluminium soit capable de créer un tout petit point de tension sur la vitre. Et ouais.
Lenny, merci pour le troisième mois. C'est pour ça qu'ils utilisent si souvent la même forme qu'une bougie dotée d'une poignée. La pointe est un morceau très pointu de céramique ou d'acier trempé et aucune force n'est nécessaire. Donc ça veut dire en fait, faut juste prendre des petits trucs et boum. Plutôt que de prendre des gros trucs balèzes. Que c'est en général si facile. Merci pour la strat. Bien que notre visage n'est pas jailli à cause d'un problème de batterie. C'était quand même très réconfortant de le voir se heurter à notre vitre pare-balles. Il dit, ouais, je peux prendre un truc qui marche pas. Alors qu'un bagage très attirant l'attendait juste de l'autre côté de la vitre. Le voleur a fini par repartir frustré et les mains vides. Pour être honnête, la plupart de ces effractions sont du fait d'individus que je ne qualifierais pas vraiment de professionnels. Par exemple, celui-ci a tenté de casser la vitre au chalumeau. Une technique inédite. Il a fini par dégoter un tournevis pour commettre son méfait, mais a compris qu'il avait cassé la mauvaise fenêtre et que le sac à dos ne sortait pas. Oh, et quand il a déverrouillé la portière, il a déclenché une alarme. Oh, il a donc dû fuir en bredouille pour ne pas se faire repérer. Ou encore celui-ci, qui a passé une heure à tourner autour de la voiture, le temps de trouver un plan et le courage de... Lui, sans ça, c'était la première fois qu'il volait, lui. Passer à l'acte. Une heure! Et il a fini par repartir avec une belle leçon de vie. On ne prend pas ce qui n'est pas à soi. Non, mais ça pue de plus en plus, là. J'en ai plein les mains, regarde. Avant la fin de cette vidéo et de la série sur les bombes à paillettes, sur la plus belle réaction au spray à prout qu'on ait vu en 6 ans, intéressons-nous à la question que Dan et moi nous posons à propos de tous ces vols. Mmh. Qui en sont les auteurs et pourquoi? Mmh. Je commencerai par dire qu'on voit souvent aux infos des groupes organisés comme celui-ci, qui ont l'air très intimidants. Mais d'après notre expérience, ils sont largement minoritaires. Plus de 80% de nos vols ont été commis par des individus agissant seuls et non dans le cadre d'une action. Les gars, pourquoi vous êtes gênants comme ça? En bande organisée. Et la majorité de ces 80% d'individus n'a même pas l'air de faire ça si souvent. Alors pourquoi le font-ils? Pendant qu'on cherchait à résoudre cette question, notre tracker GPS a fourni un début de réponse. En fait, j'ai l'impression dans les vidéos comme ça, vous attendez qu'il y ait un noir qui le fasse pour dire, pour vous victimiser. Pour dire, oh les noirs, nous. Alors que quand il y avait tout des blancs, vous avez dit quelque chose? Non? Frère, c'est une dinguerie! Genre, vous, ça vous fait plaisir de vous dire, ouais, bah c'est trop bien, let's go! Oui! Un noir qui fait des trucs! Ouais. Après le vol, il a passé environ une demi-journée ici. Dingue. Puis, il s'est retrouvé dans ce quartier, où il est resté depuis. Et surprise, Dan a reconnu ce premier endroit. Il est venu y couvrir un sujet il y a un mois et demi. L'histoire d'un producteur de vidéos qui a traqué jusqu'ici son matériel volé. Et les voleurs savaient qu'il s'agit d'un endroit de revente où se faire de l'argent rapide. Il est au téléphone avec un policier de San Francisco. Quand il voit sa caméra arriver à cet endroit, bloc 300 à Leavenworth. Il m'a dit, ah oui, c'est un lieu de recel et de revente bien connu. Tout le monde dans la baie sait qu'on peut venir revendre ses biens volés, précisément ici. Il y a des tonnes d'explications à ces 20 000 voitures fracturées par an et à ces vols commis par des individus. Et certains des problèmes de base sont super complexes. Ils exigent de la nuance et une vraie politique publique. Mais en amont de ces voleurs de voitures, on retrouve ces marchés du recel. Ces produits volés sont très demandés. Mettre Paris, fin c'est à la ces même, marchés hein. Et à la possibilité de revendre des biens volés semble être une première solution. Les gars, quand ton téléphone, tu le vois, il est dans un magasin de déblocage de SIM, c'est fini déjà. Hein. Très facile faut lâcher, pour arrêter hein. Les effractions sur les voitures. C'est aussi pour ça qu'on voit des gens voler du savon et des produits de toilette dans les supermarchés. Le voleur n'a évidemment pas besoin d'autant de savon. Mais il sait qu'il pourra en tirer de l'argent en moins d'une heure. Okay. Et les magasins finissent par ressembler à ça, ou carrément à mettre la clé sous la porte. J'imagine bien que la mairie sait déjà tout ça. Mais quand une télé publique sort un sujet sur un endroit où on peut aller vendre des produits volés, que tout le monde est au courant, et qu'un mois et demi plus tard, mon ordi portable se retrouve en vente exactement au même endroit. T'imagines, tu retrouves ton PC portable et t'es obligé de le racheter, genre? On se dit qu'on la pourrait folie. En faire un peu plus pour supprimer la raison des vols dans les voitures ou les magasins. Et maintenant, le moment le plus attendu. J'insiste sur une chose, ce spray à prout ne cause aucun mal à celui qu'il respire. Il se contente de sentir extrêmement mauvais. Après avoir brisé non pas une, mais deux de nos vitres,
Il a hurlé une insulte raciste à un passant innocent. Konnichiwa, mec! Possibly at an innocent bystander. Konnichiwa, bitch! رات البريئات إهانة. مرحبا أيتها القذرة. هاي 对一位无辜的路人进行了种族歧视. 滚回日本去，贱人. Et dans ce qui est peut-être la plus belle définition au monde du mot karma, oh, la vache. Deux minutes plus tard, il a été pris de nausée. Ouais, je s'est mis à vomir. C'est quoi ça? Mec, ça vient de la valise. Balance-la. Mec, balance-la. Je la balance, mais je suis en train de conduire, mec. Je conduis. C'est tout! Je mets officiellement fin à cette série. Si tu as fait les comptes, 167 voleurs d'éperons se sont retrouvés couverts de paillettes, ainsi que 29 voleurs de voitures. On a restitué 50 000 dollars à des anciens escroqués, et on a fait fermer 5 centres d'appels frauduleux, et 53 arnaqueurs ont été arrêtés. Merci d'avoir regardé et partagé ces vidéos réconfortantes au fil des ans. Et bien sûr, un adieu très spécial à ces deux-là, sans lesquels rien de tout ça n'aurait jamais eu lieu. Mais c'est quoi ce truc? C'est quoi? Des paillettes? Ouais! Oh mon dieu! Oh là là! C'est quoi ce truc? C'est quoi ça? Mais quoi? C'est quoi? Bonjour! Oh! Oh mais ça pue! C'est quoi cette odeur? Ça sent le caca! Ok, c'est bon, on a compris. Ça sent le caca, votre truc. Ouais, ça tire. C'est une arnaque. Saleté de youtubeur. Wesh, tu voles et ensuite t'insultes le youtubeur, frère. Yeah, ouais, regardez. Si tu veux obtenir une réaction comme celle-là à Noël, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Bon, là, il va faire sa pub. Ok. Là, elle est drôle, la vidéo était bien.